Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette 42e émission de CFTV qui sera consacrée ce matin aux fonctionnalités et aux nouveautés du matériel d'entraînement avec notre partenaire Decathlon. Et c'est vrai que nous avons l'habitude de travailler avec des simples cônes, avec des cerceaux ou des coupelles, mais voir un peu comme les nouvelles fonctionnalités du matériel qui a évolué depuis des années et qui évolue encore avec notre partenaire Decathlon, et de voir aussi les nouvelles innovations en la matière. Parce que comme on l'avait vu hier avec le conseil de sécurité, il y a un calendrier qui a été établi pour les différents secteurs et notamment pour le sport. Donc on espère une réouverture, des stades et aussi des reprises des entraînements pour tout le monde à partir du 16 avril prochain, si les conditions sanitaires le permettent et que les chiffres continuent à baisser. Et pour ce faire, continuons à respecter les gestes barrières, continuons à respecter la distanciation sociale. Nous entrevoyons le bout du tunnel. Donc voilà, dernier effort, même si c'est vrai que actuellement le printemps pointe le bout de son nez, il fait bon, on a envie de sortir, on a envie de bouger. Voilà, dernier effort, normalement, 16 avril, on pouvoir peut-être reprendre une activité normale, entre guillemets, et encadrée. Mais bon, voilà. Donc ce jour, comme on va pouvoir aussi, comme on est dans la période aussi de préparation de la saison prochaine, avec les différents mouvements de joueurs, différents mouvements de coach aussi, dans la préparation, compte aussi le matériel d'entraînement. Et donc de voir est-ce qu'aujourd'hui on utilise vraiment toutes les fonctionnalités de votre matériel d'entraînement et qu'est-ce qui pourrait être amélioré aussi au niveau du matériel, mais aussi de voir c'est pourquoi et comment l'utiliser. C'est pas seulement avoir le dernier cône, le dernier cri, un peu comme les smartphones, quand on a le dernier Samsung ou le dernier Apple sans faire de pub, de se dire ok, j'ai mon dernier smartphone, mais quelles sont les fonctionnalités, qu'est-ce que j'ai besoin, comment l'utiliser. Alors pour ce faire, ce matin, nous allons accueillir Jean-Louis Losfeld. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Voilà, donc qui est manager à la formation des cadres à la CFF et qui va nous donner ce regard sur l'utilisation, comment utiliser le matériel lors des séances d'entraînement. On accueille aussi Milan Barbette. Bonjour Milan. Bonjour Rudy, bonjour à toutes et à tous. Voilà, qui est stagiaire à la direction commerciale de Decathlon. Bienvenue à toi. Et le dernier invité de ce matin, c'est Salim, donc qui est le responsable football chez Decathlon. Bonjour à tous, bonjour. Voilà. Je suppose que vous attendez avec impatience de reprendre toutes les activités. Évidemment, évidemment, avec impatience, ça c'est clair. On espère pour la mi-avril, je pense qu'on pourra recommencer un petit peu une activité en extérieur. Ce serait pas mal d'un peu aller se défouler, refaire un peu du foot, ouais. Ouais, exactement, tout à fait. Ça fera du bien à tout le monde de se dérouiller et de ne plus se retrouver derrière les écrans, de pouvoir se voir en live. Et aussi, pas trop vite, mais il y a encore l'importance de la troisième mi-temps. Voilà. Donc ce matin, Milan va nous présenter un peu toute la gamme de produits d'entraînement au niveau football de Decathlon et aussi nous présenter toutes les innovations et les fonctionnalités. Voilà. Il y aura aussi pas mal de vidéos pour vous expliquer un peu l'utilisation de ce matériel, mais vous pourrez aussi, tout au long de l'émission ou même après, il y aura un temps de questions-réponses sur ce matériel, sur comment l'utiliser, comment amener une plus-value dans vos séances d'entraînement. Et c'est pour ça que ce matin aussi, Jean-Louis est là. Et on aura aussi un temps de news et on parlera quelques minutes en fin d'émission sur les différentes formations qui vont être planifiées pour cette fin de saison, puisque vous êtes nombreux à nous poser des questions sur les formations continues. Donc voilà, on aura quelques réponses à vous donner. Et aussi, on vous donnera aussi l'avantage dont peut bénéficier tous les membres de la SEF grâce à ce partenariat avec Decathlon sur toute la gamme Kipsta. Donc ça, on reviendra tout à l'heure en fin d'émission. Donc voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vois que vous êtes pas mal connectés pour l'instant. Donc voilà, n'hésitez pas tout au long de l'émission, tout au long de la présentation, de pouvoir réagir par rapport au matériel d'entraînement, peut-être nous dire voilà, qu'est-ce que vous utilisez couramment au niveau du matériel d'entraînement, comment est-ce que vous l'utilisez, pourquoi est-ce que vous n'en utilisez pas aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir. Voilà, je vais laisser la place à Milan pour cette présentation et on se retrouve tout de suite après cette présentation. À toi, Milan. Merci, Rudy.
Donc voilà, pour me présenter brièvement, je m'appelle Milan Barbette. Donc je m'occupe ici depuis maintenant quelques mois chez Decathlon un petit peu de l'aspect commercial. Et donc comme l'a dit Ruki, je vais vous présenter aujourd'hui le matériel d'entraînement Kipsta et voilà toutes les innovations, nouveautés qu'il peut y avoir pour cette nouvelle année. Donc je vais partager mon écran. Je ne sais pas si mon écran est partagé. Ouais. Voilà, c'est fait. Voilà, je vais te laisser la parole et on se retrouve tout à l'heure avec Jean-Louis et Salim alors. Oui, pas de souci, nickel. Donc voilà, dans un premier temps, je pense que pour parler évidemment du matériel d'entraînement Kipsta, c'est bien de savoir qu'est-ce que le Kipstadium. Donc le Kipstadium, c'est le laboratoire d'observation et d'innovation des produits collectifs, des sports collectifs, pardon, et donc notamment du football. Il a été créé par la marque Kipsta, d'où son nom le Kipstadium, le 11 mars 2015, donc ça fait maintenant 6 ans, c'est quand même plutôt récent quand même pour ce genre de complexe. Donc il faut savoir que tous les produits que vous retrouvez dans vos magasins Decathlon, ils ont été conçus et imaginés là-bas, puis testés sur les différents terrains dont nous disposons dans le Kipstadium, une fois bien sûr qu'ils ont été fabriqués. Il faut savoir que cela met plus ou moins, allez, on va dire, un an et demi pour qu'un produit soit disponible en magasin, à partir du moment où on a l'idée qui nous vient, qu'on a l'idée du produit, jusqu'à sa commercialisation en magasin. Donc voilà, un an et demi, c'est quand même pas mal. Il y a vraiment de nombreux tests qui sont effectués pour chaque produit, d'où le fait que ça mette en moyenne un peu plus d'un an. Après, évidemment, un an et demi, c'est assez aléatoire. Ça met un peu plus de temps pour certains produits, comme un petit peu moins pour d'autres. Il faut savoir qu'on a aussi des partenariats, justement, avec la CEFF ou avec un club comme le KV Ostend, donc le club de Division 1, dont on est partenaire. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, si vous regardez pas mal la Jupiler Pro League, c'est nous qui sommes partenaires depuis cette année. Et donc, ça nous permet de faire tester nos produits justement à des gens compétents dans le domaine et avoir ainsi leur ressenti, leurs impressions par rapport à ces produits. Et donc, pouvoir nous, après, rebondir, modifier si nécessaire et savoir s'ils sont aptes à être commercialisés justement en magasin. Mais bon, je vais vous passer une petite vidéo, ce sera peut-être un peu plus concret que de simples mots par rapport au Kipstadium. Vous ayez un peu une idée de ce que c'est. Donc voilà, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, je pense que c'est quand même un complexe assez impressionnant. Je pense que c'était pas mal de citer quelques chiffres par rapport justement au Kipstadium. Donc il faut savoir que c'est 15 terrains intérieurs et extérieurs pour la pratique des sports collectifs et donc notamment du football. C'est 5 revêtements de sol différents. Donc il y a aussi bien de la pelouse synthétique souple pour le foot justement, que du PVC sportif, que de la pelouse synthétique rasée pour le hockey ou même du bitume. C'est 5 vestiaires collectifs, donc tout équipé. C'est 33 sports collectifs, dont le football justement. Il y a une salle d'échauffement et d'étirement, un parcours de foot-golf. Donc comme son nom l'indique, c'est le fait de faire du golf, mais avec des balles de foot et à la place des clubs, on utilise ses jambes.
C'est 7 salles de réunion qui peuvent accueillir jusqu'à 1500 personnes, donc c'est quand même conséquent. Il y a un espace de détente et de restauration, mais c'est surtout 150 collaborateurs des marques de sport collectif qui regroupent 20 métiers différents, qui imaginent et conçoivent les produits chez Decathlon avec les utilisateurs du site. Donc voilà, je pense que c'était important comme petite introduction de vous présenter ce Keep Stadium, parce que voilà, c'est là-bas vraiment que sont imaginés, sont conçus tous les produits Keepsta que vous retrouvez justement dans vos magasins et que vous utilisez pour vos entraînements. Donc voilà, je pense que c'était quand même important de démarrer par ça. Mais venons-en maintenant à ce qui vous intéresse un petit peu plus et un peu plus le sujet de cette présentation, donc le matériel d'entraînement Keepsta. J'espère que je vais avoir la possibilité de vous apprendre des choses, vous aider pour vos entraînements dans vos clubs respectifs. Donc, je vais scinder cette présentation à chaque fois, on va dire, en deux gammes, deux familles. Donc, d'un côté, on va dire un peu plus le matériel de base, un peu plus classique. Donc, voilà, le but chez Decathlon, vous savez, c'est de rendre le foot, les entraînements accessibles au plus grand nombre. Donc, on a conçu une première gamme, on va dire, un peu plus classique, avec des prix quand même très attractifs, afin de laisser la possibilité au club que peu importe d'où on vient, on puisse pratiquer le football. On a conscience que tous les clubs de foot n'ont pas les mêmes moyens, n'ont pas la même ampleur. Et donc, c'est quand même important d'avoir un premier matériel de base qui soit accessible à tous. Et la deuxième famille, la deuxième grande gamme, ça sera un matériel un peu plus modulaire, on va dire, donc qui offre plus de possibilités, qui est un peu plus qualitatif, donc forcément un petit peu plus cher, même si pour la qualité des produits, le prix reste tout à fait acceptable. Et donc voilà, il sera un peu plus élaboré. Mais je pense que c'était quand même pas mal de reprendre la globalité de la gamme pour que vous ayez un petit peu un aperçu quand même de tous les produits qu'on peut vous proposer chez Keepsta. Donc ici, on va commencer par les cônes et les plots. Voilà, je suppose que tout le monde connaît ces cônes et les utilise aux entraînements. On va dire que c'est un petit peu le B.A.B.A. Donc à gauche, vous avez les coupelles 4 couleurs qui existent aussi en 10 coupelles orange, donc au prix de 15 et 7 euros. Vous avez ensuite les cônes essentiels. Donc voilà, essentiel, c'est le nom de la gamme qu'on donne justement à ce matériel de base. Donc vraiment les produits disponibles pour tout le monde, vraiment, on va dire, ils sont vraiment à la base des entraînements. Il faut savoir qu'il existe différents coloris pour tous les types de plots, donc vert, jaune, bleu, orange, un petit peu tout type de couleurs, pour permettre ainsi différents types d'exercices ou mieux faire comprendre les exercices aux jeunes grâce aux couleurs. Je vais prendre l'exemple par rapport justement à l'exercice de réactivité. Imaginons un jeune qui est au milieu d'un carré de 4 plots, de 4 coupelles comme ça, de 4 couleurs différentes, avoir la possibilité de travailler la réactivité, qu'il ait touché le plot jaune, puis le plot bleu. Vraiment, on va travailler cet aspect, avoir plusieurs couleurs, je pense que ça peut être pas mal. En ce qui concerne les cônes essentiels, ici, je ne sais pas si vous voyez très bien sur la diapositive, mais il est un peu en forme de flèche. Donc, ça permet vraiment de faire des entraînements de manière plus intuitive, d'influencer, d'indiquer la direction lors des exercices d'entraînement. Ces cônes peuvent servir chez les plus jeunes d'obstacles à éviter ou alors de slalom. Et chez les plus âgés, enfin les adultes, ils peuvent servir à baliser un terrain, par exemple. Le but est vraiment de rendre les ateliers, de rendre vos entraînements encore plus intuitifs, surtout au niveau des enfants. Donc, je prends l'exemple, moi ici, évidemment, je joue dans un club de foot, j'ai également entraîné des équipes de plus jeunes. Quand on fait des parcours différents comme ça, petits exercices, les jeunes n'ont pas toujours tendance à savoir où donner le ballon, à quel coéquipier donner le ballon. Et donc, justement, ça permet vraiment ici, intuitivement, grâce à la direction de la flèche, d'indiquer vers où le joueur doit faire la passe. Ça permet ainsi beaucoup plus de fluidité, ça évite de tout le temps voir s'arrêter, à chaque fois réexpliquer les choses. Ça permet aussi à l'enfant de devenir un peu plus autonome, de savoir lui-même ce qu'il doit faire. Donc voilà, on a vraiment cette volonté de simplifier, de fluidifier les entraînements. Donc vous avez deux formats, le cône essentiel 15 cm et celui qui est un petit peu plus grand de 30 cm, mais globalement c'est le même, avec toujours la flèche sur le dessus. Et enfin, le dernier produit de cette gamme de plots, ce sont les disques. Les disques, ils servent à délimiter, à baliser le terrain sans gêner le jeu. Donc voilà, c'est un peu plus pratique, on va dire, qu'un plot. C'est vraiment sur le sol, on le voit légèrement, mais ça ne gêne pas. Ces disques sont éco-responsables. Donc voilà, il faut savoir que chez Decathlon, les produits qui sont créés ici dernièrement sont tous éco-responsables. Et on a comme ambition et comme projet de créer toute la gamme, enfin que toute la gamme de matériel Keepsta soit éco-responsable d'ici 2023, donc dans 2 années. Donc, ce sont des produits qui sont créés en Europe, et ici, et particulièrement pour le disque en France, qui permet évidemment de limiter les coûts, les transports, et leurs emballages sont également recyclables. Et en ce qui concerne ces disques, ils peuvent être utilisés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, grâce justement sur la surface
inférieur du disque, un grip antidérapant, donc qui permet de l'utiliser en salle justement et qui reste bien figé sur le sol. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'était un petit peu le matériel de base ici en ce qui concerne les cônes et les plots. Voilà maintenant le matériel, on va dire, voilà, qui vous intéresse peut-être un peu plus spécifique, donc le matériel modulaire. Donc ici, vous avez les quatre bases modulaires orange qui sont au prix de 32 euros, qui sont souvent associées aux jalons, donc aux sortes de barres que vous avez à côté, qui permettent, enfin, on peut emboîter justement ces jalons dans les plots. Donc comme vous pouvez le voir ici sur les deux images, juste ici, bah, vous avez des encoches disponibles sur les plots, donc sur le dessus par exemple, ou alors à l'intérieur. Donc ça permet de pouvoir mettre le jalon dans l'encoche, et donc par exemple faire une haie, faire un obstacle, enfin différents types d'exercices possibles, comme vous pouvez le voir justement sur cette image. Donc il y a vraiment une multitude d'exercices qui s'offrent à vous. Tout est modulable, tout est assemblable. Donc voilà, à partir de ces deux produits, il y a vraiment la possibilité de faire beaucoup de choses. Donc comme je vous l'ai dit, des petits carrés comme ça pour sauter, des sortes de haies, hors des piquets de slalom, ou alors on peut simplement mettre les jalons sur le sol pour faire une sorte d'échelle. Enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités qui peuvent s'offrir à vous grâce justement à ce matériel modulaire. Mais je vais vous passer une petite vidéo parce que ce sera peut-être un peu plus concret, un petit peu plus, vous aurez peut-être une idée un peu plus concrète de comment on peut les utiliser. D'ailleurs, je ferai souvent ça pendant cette présentation, comme ça, ça sera un peu plus animé, un peu plus concret pour vous. Voilà, vous avez pu avoir une image, une vidéo un peu plus concrète de ce qui peut être réalisé, mais évidemment, c'est qu'un aperçu, il y a beaucoup plus de possibilités, comme vous le voyez à l'écran. Et également, le petit plus de ces plots, bah, c'est qu'ils ont une embase qui est beaucoup plus lestée, qui est beaucoup plus lourde, donc le plot ne tombe pas, même à l'occasion de passer plus appuyé. Donc voilà, vous n'aurez plus besoin de passer l'entraînement à relever les plots, et vous gagnerez en temps et en qualité de jeu. Donc ça, c'est également pour la petite nouveauté qu'on a apportée à ce type de plot modulaire. Donc voilà, ici, c'est ce qui concerne les cônes et les plots. En ce qui concerne les haies et les piquets de slalom, donc voilà, le matériel un peu plus classique que vous avez ici. Donc les cônes, ici, à 8 euros, donc soit c'est des simples cônes avec une petite encoche sur le dessus, donc pour par exemple placer une barre, donc mettre deux cônes, placer une barre sur le dessus, donc voilà, faire une sorte de petite haie. Vous avez les piquets de slalom classiques. Donc voilà, ceux-ci, ceux qu'on voit en première image, ben, c'est ceux qui sont plutôt adaptés, on va dire, au terrain en herbe, car ils ont, voilà, une... Enfin, on a la possibilité de les planter dans le sol. Et justement, pour l'alternative justement des terrains synthétiques, on a créé également des piquets de slalom avec socle, donc pour éviter évidemment d'abîmer les pelouses synthétiques. Et donc le produit ici, qui est une nouveauté pour 2021, c'est la haie de vitesse essentielle. Donc ça reste une haie assez classique, avec une hauteur de 30 cm, donc qui n'est pas modulable, c'est 30 cm. Mais voilà, c'est également un produit qui est éco-responsable, fabriqué ici en Europe, en France, et qui est fabriqué à l'aide de matériaux recyclés. Donc voilà, c'est quand même important de mettre l'accent dessus, que c'est vraiment un produit où on ne produit pas du plastique pour le faire, on utilise des bouteilles en plastique pour le concevoir, donc c'est vraiment éco-responsable, et c'est la petite nouveauté ici pour 2021. Mais voilà, ce qui est un peu plus intéressant, c'est forcément le matériel modulaire. Donc ici, vous avez la haie modulaire. Comme vous pouvez le voir, eh bien, il y a des sortes de petits clips qui font qu'on peut vraiment moduler l'échelle comme on le veut. Donc, on peut vraiment créer trois hauteurs ici, contrairement au produit que je vous ai montré avant. Donc, une première hauteur à 15 cm, une deuxième à 25 et une troisième pouvant aller jusqu'à 30. Donc, voilà, par exemple, si vous possédez trois haies de ce type, bah, vous pouvez très bien faire une sorte de parcours progressif avec un premier obstacle à 15 cm, un deuxième à 25, un troisième à 30. Enfin, voilà, vous pouvez vraiment déclipser les parties comme vous le souhaitez et voilà, rendre un petit peu l'exercice, l'atelier un peu plus personnalisé, un petit peu plus évolué, on va dire. Et je vais encore vous passer une petite vidéo représentative du produit. «
voilà, c'est évidemment une vidéo toute simple, mais bon, je pense que c'est quand même toujours plus sympa de mettre quelques petites vidéos, comme ça on a une idée un peu plus concrète, bah, voilà, du produit. Et comme vous avez pu le voir, bah, il y a la possibilité de faire, voilà, vraiment une sorte de parcours progressif, voilà, en augmentant, en variant les tailles d'échelle, voilà, passant à 15 à 30 d'échelle, moi, de hauteur de haie. Donc, voilà, vraiment essayer de personnaliser, de moduler l'entraînement, bah, comme vous le souhaitez, pour un peu plus de diversité. En ce qui concerne les échelles, bah, ici, je vais vous présenter trois produits. Donc, tout d'abord, le matériel de base, donc l'entrée de gamme, entre guillemets, avec l'échelle essentielle d'entraînement, qui mesure 3,2 m et qui est espacée, et dont les lattes, pardon, sont espacées de 51 cm. Donc, voilà, je veux dire, ce produit n'est pas modulable, donc il est tel quel. Donc, on a peut-être tendance à penser que ça n'offre pas beaucoup de possibilités d'entraînement, mais il faut savoir qu'avec une échelle de rythme comme ça, bah, il y a quand même plus de 80 exercices possibles. Donc, voilà, évidemment, tous les exercices classiques, pardon, comme lever les genoux, talons de fesses, pieds joints, petits pas latéraux. Donc, voilà, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire avec ce type de produit. C'est vraiment pratique pour la motricité, pour le renforcement musculaire ou pour la coordination. Je vais vous passer la petite vidéo classique pour vous ayez une idée un peu plus concrète. Je suis chef de produit pour les accessoires d'entraînement chez Kipsta. Voici quelques exercices que vous pourrez faire avec notre nouvelle échelle de rythme essentielle. Sur notre page. Voilà, comme vous avez pu le voir, bah, il s'agit quand même d'une échelle assez classique qui n'est pas modulable, mais bon, je pense qu'elle est quand même utile et que la plupart des clubs, la plupart d'entre vous, bah, l'utilisent pour leurs entraînements. C'est quand même toujours utile d'en avoir une. Pour passer justement à l'échelle modulaire, désormais, bah, voilà, c'est une échelle modulable. Comme vous pouvez le voir ici sur la deuxième image, la spécificité pardon, de cette échelle, bah, c'est qu'elle dispose de boutons de pression. Donc, qui permettent de moduler les distances entre les lattes. Contrairement à l'échelle qu'on a pu voir juste avant, où les lattes sont automatiquement espacées de 51 cm, bah ici, grâce justement à ces boutons pression, vous allez pouvoir déclipser une latte, la clipser à un autre endroit de l'échelle. Donc, voilà, pouvoir varier bah, les distances, commencer par des plus grands pas, puis des plus petits, pour vraiment varier les ateliers, varier les possibilités. Et vous pouvez également, si vous disposez bah, par exemple de deux échelles de ce type, les assembler entre elles. Donc voilà, ça permet de, par exemple, comme on peut le voir sur l'image à droite, bah, d'avoir une première échelle droite, on éclipse une deuxième échelle qui part sur le côté. Donc voilà, ça permet à l'enfant, enfin, ou même aux joueurs de manière générale, bah, de varier les possibilités par rapport à l'entraînement. Donc continuer, enfin, démarrer tout droit, puis partir en pas latéraux vers la droite, revenir vers la gauche, puis recontinuer tout droit. On peut vraiment modifier, hein, je ne vais pas dire à l'infini, mais un petit peu comme on veut, cette échelle pour vraiment bah, modifier les différentes possibilités. Et le troisième produit en ce qui concerne les échelles, bah, c'est notre nouveauté 2021. Donc, c'est vraiment le tout nouveau produit. On va dire que c'est un peu le produit haut de gamme, donc qui coûte un petit peu plus cher, 25 euros. C'est l'évolution de l'échelle précédente. Donc, voilà, le principe est le même, c'est qu'à la place de boutons de pression, bah, vous avez des sortes de clips qui permettent, donc, comme pour l'échelle précédente, bah, de déclipser des lattes, d'assembler différentes parties. Le petit plus de cette échelle, c'est qu'elle est vraiment modulable à l'infini. Toutes les parties sont séparables. Donc, il y a vraiment la possibilité de retirer une partie, de la mettre beaucoup plus loin, puis de partir un petit peu, on va dire, dans tous les sens, vraiment de faire un parcours comme vous le souhaitez. Donc, vraiment, ici, l'échelle, bah, c'est vous qui la faites comme vous le souhaitez. Et il y a également la possibilité, comme vous le voyez ici en bas à droite, bah, de replier l'échelle sur elle-même pour plus facilement réduire les distances entre les lattes plutôt que de devoir déclipser. Mais bon, ça, c'est un petit peu comme vous le souhaitez. Enfin, voilà, ce type d'échelle, bah, l'avantage, c'est qu'il a vraiment plus de flexibilité dans les possibilités d'entraînement. Et donc, vous avez vraiment beaucoup plus de choix, de possibilités pour les jeunes, pour vos entraînements, comme je l'ai dit. Donc, au niveau des cerceaux, bah, ici, ça sera assez bref. Voilà, les cerceaux, il n'y a pas 36 000. Un cerceau, ça reste un cerceau. Mais la particularité, on va dire, de notre cerceau modulaire, c'est qu'on a décidé de le faire de façon hexagonale, donc pas seulement cyclique, en cercle, comme on en retrouve beaucoup. Et donc voilà, ce que ça offre en plus, bah, c'est vraiment la possibilité de les emboîter facilement entre eux.
de faire un parcours beaucoup plus modulable, on va dire. Je vais vous passer une petite vidéo très brève pour que vous ayez une idée de ce qui peut être fait. Voilà, c'était une vidéo assez brève qui ne vous apprend pas grand-chose, mais c'était simplement dans le but de montrer que c'est quand même peut-être plus utile d'avoir des cerceaux hexagonaux qui permettent vraiment de les coller entre eux et donc de faire un parcours un petit peu plus comme on le souhaite. Sinon, avec des cerceaux comme ça, il y a différents types d'exercices qui peuvent s'offrir à vous, comme par exemple ici sur l'image du milieu. On peut très bien imaginer que vous espaciez ces quatre cerceaux à quatre endroits et que le joueur doit aller tourner autour de chaque cerceau pour revenir au milieu. Voilà, c'est un petit peu, on peut faire ça évidemment avec des plots, mais ça permet d'agrandir la surface de dribble, la surface de contrôle de balle. Donc voilà, sinon j'ai pas grand chose à vous dire de plus par rapport aux possibilités. Ça reste des cerceaux, ça c'est en fonction de votre imagination que vous pouvez créer différents types d'ateliers. Il faut savoir que ces cerceaux sont aussi bien utiles en intérieur qu'en extérieur. Donc, on essaie vraiment de rendre nos produits accessibles aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, grâce justement à des inserts antidérapants en silicone qui évitent le glissement. On sait bien, quand on est petit, on a tendance, entre guillemets, à être un peu plus maladroit. Donc, on arrive vers le cerceau, on met facilement un coup dedans. Le cerceau part à 3 mètres, on doit à chaque fois le remettre aussi. Donc, ici, grâce justement à ces inserts antidérapants, il restera figé au sol. Donc, voilà, le but de tous ces produits, le but de cette gamme, c'est aussi de rendre l'entraînement plus facile, aussi bien pour les jeunes, mais pour les entraîneurs. Voilà, comme tantôt je vous l'expliquais avec les cônes modulables, donc qui ont une base beaucoup plus lestée, qui permet de rester au sol, donc pas toujours devoir le remettre droit. Et si c'est pareil avec les cerceaux, quoi. Vraiment faciliter aussi donc justement les entraînements pour les coachs, donc pour vous. Voilà, la prochaine gamme, c'est les séparateurs de terrain. Donc ici, on a un délimitateur de terrain, on va dire de base, mais qui est quand même utilisé par un grand nombre de clubs et qui est très utile. Donc, je vais d'abord vous montrer la petite vidéo pour que vous ayez une idée de ce que c'est, un peu plus concrète, parce qu'ici, c'est sûr qu'avec des images, ce n'est pas très parlant. Voilà, comme vous avez pu le voir, un séparateur de terrain, ça sert vraiment à créer des petites possessions, des petits terrains pour des petits matchs avec des petits goals, ou alors simplement des délimitations de zone. Avec ce séparateur de terrain, on peut créer un terrain qui va jusqu'à 14 mètres sur 10. Donc, c'est la dimension idéale pour un 5 contre 5. Donc, voilà, ce produit est composé donc, de 4 bases lestées. Ces 4 bases, on peut les ouvrir, comme vous avez pu voir dans la vidéo, pour y placer un poids. Je pense que c'est le plus simple, un poids que vous trouvez chez Decathlon d'un kilo, pour pouvoir garder vraiment la base stable et pour pouvoir étirer l'élastique et voilà, que tout ne bouge pas. Après, vous pouvez très bien mettre du sable. Bon, voilà, c'est toujours plus simple avec un poids, donc pour plus de stabilité. Ces séparateurs de terrain sont munis de 2 faces. Donc une face bleue, comme vous pouvez le voir sur l'image, qui est une face munie de crampons pour une utilisation sur terrain en herbe, donc sur terrain en herbe naturel ou sur terrain synthétique. Ils permettent ainsi une bonne accroche et améliorent la stabilité. Mais si vous le tournez, vous avez également une deuxième face, donc une face qui est jaune et qui est là munie de patins en silicone qui peut, au contraire, là, adhérer au sol plus dur, donc au bitume, au parquet, au PVC. Donc, encore une fois, un produit que vous pouvez utiliser sur terrain, mais également pour le futsal, donc en salle. Les bases sont faites pour. Je vais maintenant vous présenter l'évolution, donc le matériel modulaire du séparateur de terrain. Donc là, c'est vraiment une innovation. C'est vraiment le tout dernier produit qu'on vient de sortir chez Kipsta. Un produit vraiment innovant, qui est l'évolution du séparateur de terrain précédent.
Déjà, le plus, c'est qu'il permet une plus grande possibilité de terrain. Donc ici, comme vous pouvez le voir, je l'ai noté jusqu'à 25 mètres. Donc, ça permet vraiment de faire un terrain plus grand. Il permet une multitude, d'exercices, car il peut s'associer aux autres produits justement de la gamme modulaire, donc les plots, mais également les jalons. Donc voilà, on peut vraiment tirer l'élastique de sa base, le faire passer à travers les plots. Donc là, au-delà de faire des possessions, des petits matchs, on peut vraiment créer des ateliers. Et je vais vous passer la vidéo qui sera plus explicative de ce qu'on peut faire grâce à ce produit. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment un séparateur de terrain qui permet beaucoup de possibilités, donc comme par exemple le jeu de la rivière. Donc voilà, on tire une zone pour délimiter justement des surfaces, donc créer différents exercices. Il y a également le fait de passer le ballon sous cette zone, justement. Ça peut être utile pour les plus jeunes, pour justement apprendre à contrôler la puissance de sa passe, donc passer sous une zone, garder bien le ballon au sol, avec les plots qui servent d'obstacle, donc vraiment limiter une zone, enfin vraiment envoyer la balle dans une zone déterminée, de ne pas toucher les plots. Ça permet également de travailler la technicité, donc en délimitant des petites surfaces. Ici, vous avez eu un exemple, mais on peut les faire encore plus petites, pour permettre ainsi aux joueurs de travailler la technicité, de faire des 2 contre 2, de ne pas dépasser les zones. Donc voilà, ça offre vraiment beaucoup de possibilités. En ce qui concerne son utilisation, c'est vraiment tout bête, c'est vraiment un gain de temps, c'est tout simple. Donc tout d'abord, ce que vous avez à faire, c'est placer le line maker sur la base modulaire et tirer élastique. Tout simplement. Ensuite, pour pouvoir, quand vous avez délimité votre parcours, il suffit d'accrocher l'élastique autour d'une deuxième base à l'aide d'un clip, comme vous pouvez le voir ici. Alors, il suffit de clipser simplement l'élastique pour clôturer le parcours. Et donc pour le ranger, vous l'avez vu dans la vidéo, c'est vraiment... vraiment très simple, il suffit de retirer le séparateur de terrain de la base modulaire et de rembobiner tout simplement. Donc c'est vraiment une facilité d'utilisation. Donc, en plus, encore une fois, de rendre l'entraînement plus facile pour les entraîneurs, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, ça offre vraiment différentes possibilités, contrairement au séparateur de terrain précédent. En ce qui concerne le filet de jonglage, ici, je ne vais pas trop m'attarder dessus. C'est simplement pour vous montrer la nouveauté pour cette année, la nouveauté 2021. Vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous le filet de jonglage que vous voyez ici à gauche. Mais à droite, vous avez donc le nouveau filet. C'est idéal pour développer, on va dire, la maîtrise du ballon chez les plus jeunes à l'aide d'exercices de jongle, de conduite de balle, de contrôle de balle. Ça permet vraiment de rendre l'enfant plus autonome et qu'il puisse s'entraîner de son côté, développer sa maîtrise du football. Bon, voilà, je n'ai pas grand-chose à dire par rapport à ce produit. C'est une évolution, on va dire, du produit précédent où il y a une meilleure accroche, on va dire, du filet par rapport au ballon. Il convient à des ballons de différentes tailles, donc aussi bien des ballons 3 que 4 que 5. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser, peu importe les catégories de jeunes, catégories d'âge. Ici, j'ai pensé quand même utile de reprendre une petite diapositive sur les chasubles. Évidemment, ça reste des chasubles, mais c'était juste pour vous montrer qu'on a peut-être tendance à penser qu'il n'y a que la verte, que la orange. En tout cas, dans mon club de foot, moi, c'est comme ça. On n'a jamais eu beaucoup de couleurs. Mais voilà, il y a une panoplie de chasubles, une panoplie de couleurs qui est disponible. On peut vraiment en avoir pour tous les goûts.
Et je pense que c'est utile pour créer des exercices avec différentes équipes pour un entraînement. Voilà, au lieu de que les jeunes se mettent torse nu, bah, ici, voilà, avec plusieurs couleurs, on peut vraiment créer plusieurs équipes, créer plusieurs ateliers. Voilà, je voulais juste mettre un petit point là-dessus par rapport aux chasubles. En ce qui concerne maintenant donc, les goals de foot, ici, on va dire que c'est un petit peu la gamme classique de nos goals. Donc, ce sont des goals qui ne sont pas modulables. Évidemment, ils sont tels quels. Il existe trois formats différents pour ces goals. Donc, ce sont les SG500, donc des goals de 3 mètres sur 2, de 1,80 m sur 1,20 m. Et pour des plus petits matchs et pour travailler peut-être un peu plus la précision aussi bien chez les jeunes que chez les adultes, bah, un goal vraiment encore plus réduit de 0,9 m sur 0,7. Donc ici, voilà, c'est un petit peu les goals classiques, on va dire, de notre gamme Kipsta. Mais vous savez, voilà, ici, au niveau de la gamme, on va dire, un peu plus modulaire, bah, vous connaissez sans doute tous les goals cage et le air cage. Donc, je vais passer une petite vidéo pour le premier d'entre eux, simplement pour vous montrer bah, la spécificité justement de ce type de goal, bah, c'est vraiment la maniabilité, le fait qu'il soit facilement transportable, facilement rangeable. Donc voilà, ici, vous avez pu voir une vidéo par rapport justement à ce goal cage. C'était sur l'ancien modèle donc, que vous voyez ici à gauche. Et nous avons sorti donc, le nouveau modèle ici qui est toujours comme les nouveaux produits éco-conçus. Mais donc, c'est celui-là que vous retrouverez plus facilement dans vos magasins maintenant. Donc voilà, vraiment, le plus de ce nouveau goal, bah, c'est, comme vous pouvez le voir, bah, c'est beaucoup plus réaliste, avec des lucarnes plus définies, avec des piquets, enfin des poteaux plus définis, donc qui ressemblent plus à un vrai goal, avec une ligne également devant le but, va pouvoir délimiter la zone de but. Mais bon, voilà, je vous montrer cette petite vidéo, surtout pour vous montrer bah, l'aspect pratique de ce type de produit, donc qui est facilement dépliable, facilement installable sur terrain. Et donc voilà, il ne prend pas beaucoup de place. Moi, en tout cas, dans mon club de foot où je joue, bah, on a des petits goals qui ne sont pas modulables. Donc du coup, bah, on les entasse dans une sorte d'atelier. Ça prend beaucoup de place, c'est beaucoup moins pratique, c'est plus lourd. Ici, il y a vraiment cette facilité de rangement. Et encore une fois, ça peut permettre aux plus jeunes bah, de devenir plus autonomes vis-à-vis de l'entraînement, du matériel d'entraînement, de le ranger par eux-mêmes. Le plus de ce produit, donc, c'est qu'il est composé bah, de clips, comme vous pouvez le voir ici sur l'image en bas, donc qui permet sur terrain en herbe bah, de pouvoir le faire tenir sur le sol. Et il est également utile bah, à l'intérieur, mais à ce moment-là, vous avez des poches donc à l'arrière du goal
vous pouvez lester avec des poids le goal pour que justement il reste malgré tout figé et qu'on n'ait pas à utiliser les clips. Et donc le deuxième produit de cette gamme, bah, c'est le même type de produit, sauf que celui-ci est gonflable. Donc voilà, au final, c'est plus ou moins pareil, sauf que celui-ci se gonfle. Je vais vous passer la petite vidéo pour vous montrer. Donc voilà, je n'ai pas trop m'attarder sur le produit parce qu'au final, c'est un petit peu le même que le précédent. À la simple différence que celui-ci est gonflable. Mais voilà, il y a également la possibilité bah, de le mettre aussi bien sur terrain en herbe grâce aux clips qu'en salle avec des poches sur les côtés pour lester ce goal. Il faut savoir que chez Decathlon, donc, ici, je viens de vous présenter les goals de la marque Kipsta, mais sur notre marketplace, donc sur notre site internet, vous pouvez retrouver tous les produits, enfin tous les goals possibles de d'autres marques et également des nôtres. Notamment le goal Bazooka et de goal de chez AluPower, AluSport, donc qui sont des goals en aluminium. Voilà, je pense c'est important quand même parce que je sais que beaucoup de clubs utilisent ces goals Bazooka, bah, qui sont également toujours disponibles chez Decathlon via le site internet et via notre marketplace. Donc, voilà, ça permet évidemment un choix plus large de produits et encore plus de possibilités. Donc en parlant de goals, bah, il y a forcément les bâches de précision. Donc ici, vous avez les deux bâches de précision, on va dire classiques. Qui sont adaptables au but que je vous ai présenté tout à l'heure, donc les SG500. Donc voilà, ce sont des bâches qui s'utilisent sur des plus petits goals avec 5 zones à viser. Ça s'assemble bah, tout simplement à l'aide de velcro aux différentes parties du but. Vous avez deux types de bâches, donc une un peu plus grande pour les goals un peu plus grands, donc de 3 sur 2 mètres, et celle pour les goals, on va dire, moyens, de 1,8 sur 1,2. Mais je vais plutôt vous parler de la nouveauté parce que c'est vraiment ça qui est plus intéressant. Donc pour 2021, bah, l'équipe Kipsta a lancé une nouvelle bâche. Et donc voilà, le vrai plus de cette bâche-là, bah, c'est qu'elle convient à des goals grandeur nature, on va dire. Donc voilà, au goal du jeu à 11 contre 11. Donc voilà, c'est surtout ça la nouveauté, c'est qu'il y a la possibilité maintenant de s'adapter vraiment à des grands goals. Donc comme vous pouvez le voir, des goals de 6 mètres sur 2 mètres 10 ou de 7 mètres 32 sur 2 mètres 44. Voilà, c'est une bâche qui est vendue avec son sac pour, encore une fois, une facilité de transport, toujours rendre et le matériel facile à transporter, facile à mettre à l'aide ici de velcro. Et il y a également des poids qui sont inclus dans cette bâche pour plus de stabilité, éviter que voilà, si on met une frappe un peu plus forte, un peu plus appuyée, ça part dans tous les sens. Donc voilà, c'est vraiment la nouveauté ici pour 2021. Et je pense que c'est vraiment un vrai plus que Kipsta ait lancé ce produit parce que voilà, ça s'adapte vraiment à des terrains grandeur nature. Donc voilà, pour terminer cette petite présentation, je vais parler évidemment du matériel du coach. Après, voilà, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est un peu. Il n'y a peut-être pas grand-chose à dire. Comme par exemple par rapport au sifflet, on a une gamme qui est composée de 4 sifflets. Donc un sifflet en plastique noir avec une bille intérieure tout simple à 2 euros. Le même modèle, on va dire, mais en gris et en métal surtout à 3 euros. Vous avez ici en troisième position bah, le Fox. Donc ça, on va dire que c'est un sifflet un peu plus haut de gamme, façon de parler. Il n'y a pas de bille intérieure et il est utilisé. Par beaucoup d'arbitres professionnels en Belgique. Mais vous avez également, c'est peut-être, on va dire, le sifflet entre guillemets un peu plus modulable, un peu plus spécifique. Donc, c'est le sifflet poire qui permet, bah, voilà, au lieu de siffler bah, avec la bouche, vous n'avez qu'à appuyer, compresser le sifflet entre vos mains. Donc, ça, déjà, c'est pratique d'un point de vue hygiénique, on va dire, surtout avec la situation actuelle. Donc, voilà, il n'y a pas le fait de poser de la salive sur un sifflet. Il peut être utilisé vraiment par tous les entraîneurs du club sans aucun souci. En ce qui concerne les filets de ballon, bah voilà, encore une fois, je n'ai pas trop m'attarder là-dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire non plus. Vous avez un filet tout simple ici de 10 à 14 ballons, un sac, donc là c'est un peu plus, on va dire, qualitatif, une matière un peu plus résistante de 8 ballons et le même modèle mais pour 16 ballons. Et vous avez également un sac à dos accessoire, ça peut être, je pense, utile. Donc voilà, pour ranger, comme vous pouvez le voir, bah, tout le matériel modulaire ou tout le matériel d'entraînement, plutôt qu'encore une fois, moi je prends l'exemple de mon club de foot où tout est un peu entassé, mis n'importe comment dans.
dans une pièce, bah, ici, voilà, tout au moins est regroupé ensemble. Quand vous arrivez à l'entraînement, bah, c'est un gain de temps. Vous prenez votre sac, tout est dedans, c'est pratique, on y va. Plutôt que de devoir voir qu'est-ce qu'on doit prendre, où se trouve tel ou tel matériel. Donc, voilà, c'est quand même une facilité d'utilisation, je vais dire, pour les entraîneurs. Et c'est quand même une capacité assez importante de 45 litres. Donc, on peut mettre déjà pas mal de choses dedans, pas mal de matériel. En ce qui concerne la gourde, bah, ici, c'est simplement pour vous montrer bah, la nouveauté 2021, donc, qui est la gourde que vous pouvez voir juste ici, à droite. Donc, elle est composée d'une valve anti-fuite. Donc, voilà, ça permet avant tout de boire sans contact avec la bouche. Donc, voilà, c'est beaucoup plus utile qu'une bouteille pour vos entraînements. Donc, voilà, l'enfant n'a qu'à compresser la bouteille et donc envoyer un débit d'eau plus ou moins important dans sa bouche, plutôt que d'avoir des bouteilles où tout le monde va mettre sa bouche dessus ou des gourdes avec des tétines où voilà, c'est beaucoup moins pratique. Donc ici, encore une fois, avec la situation actuelle, je pense que c'est pas mal de disposer de ce type de produit. C'est une bouteille, une gourde qui est également compatible avec des casiers qu'on vend également chez Kipsta, afin voilà, d'avoir une facilité de transport pour les gourdes. Et donc voilà, ici, il y a juste l'évolution. Donc, vous aviez la gourde que vous connaissez peut-être, qui est un peu plus ancienne à gauche, où il suffisait de poser entre guillemets le menton et compresser la bouteille pour avoir un jet d'eau dans la bouche, mais je pense que c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple avec le nouveau modèle. Donc voilà, ici, pour clôturer un petit peu le matériel du coach, comme je vous l'ai dit, vous avez bêtement le casier donc, qui permet de contenir 6 bouteilles, voilà, 6 gourdes, comme je vous l'ai dit juste avant, donc qui est repliable sur lui-même. Donc encore une fois, cette facilité de place, cette facilité de ranger les choses. Voilà, en ce qui concerne les pompes, bah, vous avez une pompe toute simple ici à gauche, une pompe double action. Voilà, comme on a l'habitude de voir dans les clubs, c'est tout simple. Et vous avez la pompe manomètre, également double action. Donc voilà, elle est un petit peu plus perfectionnée, on va dire. Donc elle est conçue pour régler, pour gonfler les ballons à la bonne pression, grâce justement, comme vous pouvez le voir ici, à une petite jauge, à un contrôle de la pression. Et il y a également un flexible, ici vous pouvez voir en bout de pompe, qui permet de limiter les risques de casse des aiguilles. Je sais bien que les aiguilles, on a tendance à les perdre, on a tendance à les casser. Faut tout le temps en racheter, il n'y en a jamais suffisamment. Donc voilà, grâce à ce petit flexible, bah, normalement, il y aura moins de risques de casse avec les pompes, mais bon, on n'est jamais sûr de rien. Et enfin, ça concerne vraiment l'entraîneur, la tablette et la pochette tactique. Donc elle permet aux entraîneurs d'expliquer leurs consignes de jeu au bord du terrain comme dans les vestiaires. Ce coaching board, comme on l'appelle, permet vraiment de dessiner vos schémas de jeu, d'utiliser des aimants qui représentent les joueurs, de transporter vos documents en papier, voilà, qui reste au sec et qui soit bien, qui soit pas froissé. Donc voilà, avec des bics qui permettent de faire des tactiques, enfin, voilà, une pochette de coach vraiment pour les tactiques de jeu. Donc voilà, je clôturerai cette présentation du matériel par une petite astuce, comme j'appelle ça. Il faut savoir qu'ici chez Decathlon, on a lancé une application Decathlon Coach, donc qui permet de suivre des programmes d'entraînement écrits par des entraîneurs diplômés, donc des entraîneurs qualifiés, qui savent évidemment ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Vous retrouverez sur cette application des conseils sur un tas de choses, comme par exemple comment bien s'équiper, comment gérer l'intersaison, comment gérer la préparation de la saison à venir, comment s'entraîner, comment mettre les jeunes et les joueurs dans les meilleures conditions. Bon, voilà, après, l'application ici est en cours de développement, donc il n'y a pas encore beaucoup, on va dire, de programmes qui sont mis dessus, mais c'est un gros point d'intérêt pour Kipsta dans les mois à venir. Et donc voilà, il y aura par exemple, je l'espère et je pense, des exemples d'exercices par rapport justement à notre matériel. Donc voilà, ça sera vraiment super intuitif pour vous. Il vous suffira d'aller sur l'application. Vous aurez les exemples, les possibilités, comment utiliser le matériel. Donc voilà, il n'y aura même plus besoin de demander. Vous aurez vraiment tout grâce à l'application. Donc vous pouvez déjà la télécharger ici via le lien que je vous ai envoyé. Et voilà, je vais clôturer cette présentation par une petite vidéo, on va dire, récapitulative du matériel d'entraînement Kipsta. No team spirit, no victory without coach. During the last 3 years, our spirit was to create product software, which can give solutions to make the coach life easier. Pay more and have fun. This is our mindset. To be different on the market,
Our designers created a strong identity for our accessories through a family product, Essential, which let a classic round platform becoming a square one. Our dream is to change the way of training. Thanks to our product family modular, the conception team has the space to innovate, creating products which let the coach imagine their own training session. Products are modular with smart connection. Products let coach develop his imagination. Products allow to save time. Products are fun. Products will be unique. The last months show us that the world can change very fast, and we would like to take part of all soccer player improvement, from the club to the house. Thanks to a strong community and influencers, we will propose solutions of football training with fun at home, like the app Decathlon Coach Football, which support players since 2019 in their own training and will be in the future a way to explain how to use our products. So ready to play? No, ready to win. Donc voilà, bah, c'est terminé pour cette petite présentation sur le matériel d'entraînement Kivsta. J'espère que j'ai pu vous apprendre quand même quelque chose, que vous avez pu voir des choses que vous ne connaissiez pas, qui vont être utiles à l'avenir pour vos entraînements et pour voilà, entraîner les jeunes. J'espère que je n'ai pas été trop vite, j'ai essayé de respecter un temps plus ou moins imparti. Je sais que j'ai peut-être tendance à être un peu rapide, mais bon voilà, j'espère que vous avez quand même pu retenir quelque chose. Si vous avez des questions, des remarques, je me ferai un plaisir de répondre à toutes celles-ci. Mais vous pouvez également m'envoyer un mail, on ne sait jamais, si vous avez des questions un peu plus complètes, on va dire, à mon adresse mail. Donc voilà. Merci Milan pour cette présentation, et parfait pour le timing, 40 minutes. Donc voilà, c'est respecté. Alors, je vois pas mal de réactions assez positives de Pedro Benito qui nous dit « belle initiative ». C'est vrai que parler du matériel, c'est peut-être pas le sujet le plus excitant dans le football. Alors, on préférait peut-être parler tactique et autres, mais je vois pas mal de réactions. Et voilà, pour Milan, belle démo, la classe, Kipsta. Voilà. Et aussi pas mal de réactions de Michel Verspec sur pas mal de nouveautés et aussi sur le séparateur de terrain. Très intéressant, donc on aura plusieurs petites questions. On abordera aussi ce qu'on n'a pas abordé, mais bon, il y a tellement de choses à aborder au niveau de l'entraînement, du matériel d'entraînement. C'est aussi par rapport à l'innovation dans les ballons. Hein, Salim, je pense qu'on pourra peut-être en parler à un moment donné par rapport à cela. Toi, Jean-Louis, qui a quelques années dans le football maintenant, comment vois-tu l'évolution du matériel? Bah, je trouve ça. Merci Milan pour la présentation. Je trouve ça très très bien, vraiment. Alors on montre un peu la diversité du matériel disponible et qui est étudié au niveau de Decathlon. Moi, ce que je retiendrai quand même, c'est le côté pratique et fonctionnel, le côté de l'ergonomie aussi. Donc c'est facile à utiliser. Et alors peut-être, et je pense que la sécurité aussi, ce qui est quand même essentiel, un élément essentiel dans la gestion du matériel pour un club. Alors, je ne sais pas si… alors, j'ai aussi réfléchi un peu par rapport à mon intervention. Est-ce que tu souhaites d'abord qu'on fasse un tour, Rudy, ou tu veux que j'aborde par rapport au club ou, Écoute, il y a eu quelques réactions, donc on va les prendre. Et puis après, ouais. je te donnerai la parole sur le matériel. Il y a eu des réactions sur... Ah oui, petite anecdote aussi, Salim, sur la couleur du matériel. Hein, parce que tu, en préparant cette émission-là, tu as noté on va dire que c'est un détail sur une couleur. Et justement, je viendrai sur cette question. Il y en a qui parlaient sur le séparateur en disant « Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas blanc ?» Puisqu'il y a Zoubir Utamen, qui est contact provincial, me dit c'est pas très visible, l'orange n'est peut-être pas forcément trop visible parfois le soir, mais tu as une petite anecdote par rapport à une couleur de plot. Mais justement, merci. En effet, ces tests, et comme Milan l'a expliqué, ça prend un an et demi, un an pour faire ces produits. Et donc, on a aussi régulièrement des tests qui sont faits dans les clubs via la CFF. Pour le moment, il y a des ballons light qui sont en test actuellement aussi, et via des clubs partenaires.
Et donc, sur les petites coupelles, au fait, à la base, on avait sorti quatre couleurs. Et ces quatre couleurs, bah, c'était des couleurs un peu tendance, qui étaient un peu les couleurs tendance de cette année-là. Et il y en avait une qui était bleu foncé. Et elle a été sortie de cette manière-là. Et les designers trouvaient ça très bien, puisque c'était des couleurs plutôt belles. Par contre, bah, c'est à l'usage, justement. Lors des tests d'usage, on s'est rendu compte que cette coupelle n'était pas très visible en soirée. Donc, les entraînements des adultes sont souvent en soirée. Et donc, ces coupelles, elles ont pas été, elles sont un peu passées entre les mailles du filet, puisqu'elles sont sorties en bleu foncé. On a adapté ça et maintenant la couleur est plus claire pour justement être visible le soir. Donc, c'est vrai que ce type de test, on doit les réaliser dans toutes les circonstances, en journée, avec des adultes, avec des enfants. Et ça nous permet de faire évoluer ces produits. Donc, merci pour le feedback sur la couleur orange. Je pense que j'ai quand même, en tout cas pour l'avoir déjà essayé aussi, l'impression que c'est quand même visible, même en soirée. C'est quelque chose qu'on peut adapter et quelque chose qu'on changera si, bah, justement, grâce aux remontées des entraîneurs et des communautés comme la CFF, bah, justement, c'est grâce à ces communautés qu'on peut faire évoluer ces produits et les adapter. Donc voilà, mais la couleur orange, je pense, ça passe. Pour l'avoir essayé, pour l'avoir utilisé aussi en soirée, c'est plutôt OK. Donc, voilà. C'est vrai que n'hésitez pas à tester le matériel et voilà, s'il y a la moindre remarque ou amélioration, ben, faites remonter l'information via nous ou via l'adresse mail de Milan, ben, justement pour continuer à développer ce matériel. Alors, on parlait au niveau des chasubles, on dit il y en a qui cherchent de plus en plus des chasubles bicolores. Oui. Donc, il y a deux chasubles bicolores. Et donc, en effet, il y aura, à partir de l'année prochaine, une chasuble bicolore en plus. Parce qu'en effet, ça peut être plus pratique de pouvoir avoir une chasuble qu'on peut retourner et qu'on peut utiliser comme ça avec deux équipes. Donc, c'est bien. Il y en a une déjà. Il y en aura une deuxième couleur à partir de l'année prochaine. Et alors, j'ai vu aussi, profite pour répondre à une question en rapport avec la qualité. Et donc, le fait qu'on peut avoir, des produits qui parfois sont pas qualitatifs ou se cassent. Et donc, bien sûr, un produit, ça peut arriver, ça peut casser. Chez Decathlon, on a cette garantie et ce service qui fait que nos produits sont garantis 2 ans, tous nos produits. Donc, si dans les 2 premières années de votre utilisation, un de vos produits vient à se casser en marchant sur une coupelle, ça peut arriver, même si c'est très rare, vu qu'elles sont quand même assez flexibles. Dans ces cas-là, n'hésitez pas, en fait, ramenez-les et nous... En fonction de ça, justement, si c'est cassé, bien sûr, on vous l'échange, on vous la rembourse. Et si jamais ce produit se répète, automatiquement, ces informations vont être remontées à la marque. Et s'il y a un problème de conception, ce produit il peut être retiré de la vente temporairement pour corriger les problèmes et puis ensuite le remettre en vente une fois que c'est corrigé. Voilà. Et une chose qui est ressortie aussi durant la présentation, au niveau des commentaires de nos auditeurs, c'est le fait que tout le matériel est très pratique et modulaire. Hein, c'est comme ça, au moins, on évite d'avoir... 40 matériels différents à l'entraînement, c'est pas mal, ça. C'est vraiment la cible, et c'est pour ça il y a vraiment deux histoires, comme l'a très bien expliqué Milan. Donc, il y a une histoire essentielle, où là, on va plutôt aller chercher quelque chose de simple et à un prix abordable pour que tout le monde puisse en avoir, ou en tout cas un maximum de gens. Et puis, une partie modulaire, où c'est des produits un petit peu plus techniques, un petit peu plus chers aussi, parce qu'ils permettent de faire plus de choses. Et cette modularité, elle est travaillée sur l'ensemble de la gamme, comme vous l'avez vu. Donc, il y a toujours ces produits qui sont en essentiel et puis en modulaire pour donner plus de possibilités aux entraîneurs. Voilà. Je voudrais saluer Serge Bix, qui est président des entraîneurs luxembourgeois et qui nous suit depuis quelques temps. Moi, salut Serge, on connaît avec Jean-Louis. Voilà, on le salue. Une petite question aussi sur les Bazooka Gold. Demandez si est-ce que c'est une taille unique. Non. Donc, il y a bien plusieurs tailles qui sont disponibles sur le site. Donc, bien sûr, il y a le format plutôt classique en petit but d'à peu près 1 mètre de large. Mais il y a toutes les tailles sur notre site. Donc, on développe des produits. Donc, Kipsta développe certains produits. Mais on n'a pas la prétention de savoir tout faire. Et surtout, il y a d'autres marques qui font des choses très, très bien. Et donc, c'est pour ça qu'on propose une offre élargie avec des buts en alu aussi, plus destinés au club. Qui sont du coup beaucoup plus rigides et beaucoup plus solides, et les Gold Bazooka qui sont aussi des références en la matière. Donc ces produits sont aussi disponibles sur Decathlon.be, même si c'est pas nous qui les développons. Voilà, une question, pourquoi ne proposez-vous pas des mannequins chez Decathlon? C'est bien dans les tuyaux, et donc il y a ces mannequins arriveront, je pense pas pour cet été, mais l'été prochain, donc 2022. Il y a encore toute une gamme de produits qui est des évolutions qui arrivent. Vous avez vu dans la dernière vidéo des petites LED
qu'on pouvait poser sur les cônes modulaires justement pour commencer aussi à avoir des jeux de réactivité avec des couleurs qui vont s'allumer. Le coach peut allumer des couleurs et les jeunes, du coup, les enfants doivent ou les adultes doivent aller plus vite vers la lumière verte, la lumière jaune. Et ça aussi, c'est des petites évolutions qui arrivent. Donc voilà, on espère pouvoir vous présenter peut-être les évolutions, les nouveaux produits l'année prochaine. En physique, en espérant bien sûr, et vous montrer du coup ces nouveaux produits, donc des produits mannequins, Decathlon, c'est aussi prévu. Ouais, vous verrez après en fin d'émission, quand on reviendra avec les annonces, comment vous pourrez à un moment donné tester ce matériel-là aussi. On y reviendra tout à l'heure. Donc voilà, Erika Scoop, les mannequins arrivent. Voilà. En attendant les autres questions, Jean-Louis, je te laisse la parole. Oui, mais c'est simplement, en écoutant l'exposé de Milan, on se rend compte effectivement qu'il y a une richesse de matériel qui va du prix de base à un prix un peu plus élevé, donc il y a possibilité. Donc je pense qu'il faut se donner des priorités en tant que club. J'ai vu aussi une réaction de Michel Verspech qui disait qu'effectivement, dans les clubs, il y a trop de potes qui investissent dans le matériel et que parfois, on utilise du matériel, des cônes, des ballons. Et c'est souvent du matériel, parfois, qu'on va citer le terme de Michel, du matériel plus âgé que de sa grand-mère, donc du matériel qu'on va chercher, par exemple des cerceaux pour faire du hula hop, écoutez, c'est vrai que c'est du matériel qu'on a utilisé à un moment donné. Donc je pense qu'il est important, je pense qu'en tant que dirigeant de club et en tant que responsable, c'est possible de travailler par étapes en fait. Je pense qu'il faut d'abord travailler sur l'analyse du club, l'analyse du matériel qui est à disposition dans le club. Je pense que c'est essentiel, il faut passer par là. Alors l'analyse va passer d'abord par le nombre d'équipes qu'on a, le type de terrain dont on dispose, l'âge des joueurs, le matériel qu'on a actuellement et j'ai envie de dire quel est le matériel qui au niveau sécurité est plus problématique, parce que on a parlé, la première chose c'est d'abord d'utiliser du matériel en sécurité pour ses enfants. Si je reprends l'exemple des cerceaux, avant on a utilisé des cerceaux avec un tube. Dès qu'on mettait un pied dessus, le cerceau il revenait vers le joueur. Donc effectivement, le matériel qui a été conçu par Decathlon, c'est du matériel dans lequel c'est une surface plane, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun risque que le cerceau revienne. Donc je pense qu'il faut analyser d'abord les besoins qui sont dans le club. Je pense qu'il faut aussi analyser qui va l'utiliser. Est-ce que ce sont des préparateurs physiques? Est-ce que ce sont des entraîneurs? Est-ce que ce sont des entraîneurs spécifiques? Et quel temps dispose pour pouvoir le mettre, le matériel. Et puis aussi la gestion aussi. Je pense qu'il est important aussi de comprendre, d'analyser comment on va gérer ce matériel. Parce que je pense qu'on a tous fonctionné dans un club. Il y a un local matériel, on utilise matériel, on prend du matériel, on le stocke. Et puis alors après, on est pressé par le temps, on termine son travail, on arrive sur l'entraînement, on va chercher le matériel dont on a à la disposition. C'est comment on gère ce matériel. Je pense que c'est important de réfléchir d'abord l'analyse du matériel dont on dispose et comment on gère le matériel. Et puis, je pense que sur base de ça, je pense qu'il faut déterminer des objectifs sur base d'un budget qui est établi au sein d'un club. Dire, OK, voilà, on va se donner des objectifs à court terme. Quelle est la priorité d'abord en termes de sécurité en fonction du budget? Qu'est-ce que je vais pouvoir acheter? Et puis après, peut-être sur le court terme, sur le moyen terme, de définir sur 2-3 ans, le matériel dont je pourrais éventuellement disposer dans 3 ans, mais en se donnant des petites priorités. Il faut commencer peut-être par des choses toutes simples. On a parlé par exemple les plots par exemple à 5 € ou le jeu de plots. Peut-être si chaque entraîneur a son jeu de plots, c'est intéressant. Chacun peut retourner avec son matériel dont il dispose. Il est responsable de son matériel avant d'acheter des cônes qui vont dans un local et qui risqueraient peut-être d'être utilisés par plusieurs personnes. OK. Et puis alors après, je pense que la troisième étape, une fois qu'on a fixé, on a analysé, on a fixé des priorités, je pense qu'il est important d'organiser la gestion du matériel. Comment on organise la gestion? Et alors, une chose importante, c'est comment on forme et on informe les entraîneurs. Parce que on a vu le matériel est à la fois très fonctionnel, très ergonomique, très pratique, mais on voit que c'est pas si simple que ça. Ça demande une petite formation. Alors, c'est vrai qu'il y a les tutos, mais il faut au moins que les entraîneurs aient l'information d'aller se rendre sur ces tutos ou éventuellement que ce soit le responsable sportif qui puisse éventuellement former ou informer ses entraîneurs sur la gestion du matériel, à la fois sur la gestion pratique, mais aussi sur la gestion de l'organisation du matériel,
comment on le dispose, comment on l'installe, qui le travaille, etc. Donc, je pense que ça demande, ça mérite, je pense, une grosse une réflexion dans les clubs, parce que ça représente un budget, et je pense qu'il faut que ce budget soit géré en bon père de famille, entre guillemets. Ça, c'est, je pense que c'est de la responsabilité des responsables de clubs. Voilà. Ouais, tu as raison, Jean-Louis, de le préciser. C'est vrai qu'on pourra avoir tout le matériel qu'on veut, hein, on pourra acheter tout, mais c'est vrai que il faut peut-être une analyse de besoin. Mais c'est vrai qu'on voit quand même, et ça depuis des années, même avant le partenariat entre Decathlon et la CEF, on voit quand même que Decathlon veut rendre tout accessible, surtout au niveau du prix. On a vu toute la présentation, il y a du matériel qui est un peu plus coûteux, mais généralement ça reste très abordable. Alors c'est vrai qu'on peut tout avoir, mais bon, il faut, si c'est pour tout avoir et pas se servir de manière optimale de tout le matériel, comme tu l'as dit, peut-être faire une analyse des besoins. Et c'est vrai que John Gaspar nous dit « tout mon matériel m'appartient et c'est coûteux ». Alors c'est vrai, comme tu dis, il faut peut-être rentabiliser cet investissement. Mais alors après, c'est vrai, il y a toute la gestion du matériel commun. Hein, comme tu l'as dit, dans tout club, c'est toujours assez compliqué d'avoir cette gestion. Parce qu'on dit, dans les innovations, il y a aussi les ballons. Et tu l'as dit, Salim, mais Jean-Louis le disait aussi, au niveau de la CFF, vous testez les ballons. Quelles sont les innovations dans les ballons? Oui. Donc, en effet, je peux vous partager. Mais juste avant de commencer le ballon, j'avais une question qui est très intéressante. Un système de leasing de matériel renouvelable tous les ans. Et en fait, c'est complètement quelque chose qui nous intéresse. Donc, si Nadir, ça t'intéresse de peut-être travailler avec nous là-dessus, et d'autres s'y sont intéressés, je propose qu'ils prennent contact avec nous, parce que c'est exactement le genre de service qu'on a envie de proposer au club, parce qu'on pense aussi que du matériel ne doit pas forcément être acheté, mais pourrait être loué et ensuite réutilisé dans d'autres endroits si besoin. Donc voilà, si ça t'intéresse, je veux bien que tu me contactes et qu'on réfléchisse à une solution. Je vais juste vous partager mon écran 2 minutes. Hop, j'espère que vous allez bien voir, parce que je n'avais pas testé. Pas de souci, je vais le lancer. Voilà. C'est bon. C'est bon? Donc, ouais, c'est bon. Voilà, donc en fait, sur l'offre ballon, justement, oui, on a une offre ballon qui est très large, bien sûr, et on a une offre ballon qui démarre en entrée de gamme à des ballons à 5 euros, donc qui sont peut-être un peu moins destinés à des clubs parce que, justement, plutôt pour de l'utilisation loisir une ou deux fois semaine et plutôt pour jouer dans son jardin. Par contre, sur le reste de l'offre, plusieurs, en tout cas, sont maintenant utilisés dans beaucoup de clubs. Ces ballons aussi F500, donc qui sont également dans toutes les tailles. Ici, en taille 5, mais ils existent aussi en taille 3, en taille 4. Donc, dans les innovations, dans ce qu'on est en train de tester actuellement, le taille 3, le taille 4, ce sont des ballons light. Et en fait, c'est clairement un projet qu'on a proposé à l'ACFF que nous testons avec Xavier Denet pour intégrer des ballons light dans le jeu en Belgique. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'études montrent qu'un ballon est assez traumatisant, et surtout pour les enfants, et l'utilisation de ballons light diminue largement les blessures et les chocs sur les enfants, que ce soit pour une tête, bien sûr, mais aussi au niveau des articulations et du reste du corps. Et beaucoup de pays les utilisent déjà. En Belgique, on n'a pas encore pour le moment rien sur ce sujet, mais l'Allemagne, par exemple, les Pays-Bas utilisent des ballons light pour tous leurs jeunes, et c'est quelque chose qu'ils mettent fort en avant, parce que c'est beaucoup moins traumatisant et beaucoup mieux pour les enfants. Donc actuellement, en Belgique, il n'y a aucune obligation de le faire, et la plupart des ballons ne sont pas des ballons light, mais ces ballons sont en cours de test avec la CFF, justement, pour peut-être améliorer les choses et changer ces ballons vers des ballons light, qui sont beaucoup moins traumatisants. Et alors, dans les deux ballons peut-être qui sont un peu plus haut de gamme et sur lesquels nous avons peut-être une spécificité, ce sont ces deux ballons-là, ce ballon d'abord F550, qui est un ballon thermocollé, donc il n'y a pas de couture, et donc à l'intérieur du ballon, la côté sphéricité reste vraiment très très bonne. Voilà, vous pouvez les voir dans d'autres tailles aussi, ça c'est en taille 4. Et alors, ces ballons 900 qui sont aussi thermocollés et qui sont également beaucoup plus léger. Et alors, dans la dernière nouveauté, peut-être, ce sera ce ballon 950, qui est plutôt un ballon pro, un ballon match, et le ballon qui est ici sur la droite, 950 FIFA Pro Color Effect, sera un ballon qui lui, correspond vraiment à des standards belges, avec un ballon un peu plus
on va pas dire lourds parce qu'ils ont tous le même poids, mais ils nous paraissent plus lourds et ils nous paraissent moins flottants, alors que beaucoup de ballons sont assez flottants, comme certains ballons Nike. C'est d'ailleurs pour ça qu'en Belgique, les Select restent la grosse référence, puisque c'est un ballon qui ne change pas de trajectoire ou très peu, et qui donne une impression d'un ballon plus consistant, plus lourd, alors qu'ils ont le même poids. Mais c'est grâce justement au panneau et à la vessie qui est à l'intérieur que cette impression est différente. Donc voilà, je voulais simplement vous montrer ça, parce que c'est vrai que la gamme ballon, elle est plutôt large également. Et il y a des nouveaux ballons ou des ballons light sur lesquels nous, on croit très fort. On n'a rien inventé, c'est des ballons qui existaient déjà et d'autres marques les faisaient, comme Derby Star, par exemple, en Allemagne. Mais on pense vraiment que ça pourrait être un plus pour le football en Belgique et pour les enfants. Merci Salim. Est-ce que Jean-Louis, par rapport au type de ballon, à un moment donné, on arriverait peut-être à poser un ballon pour les catégories jeunes, puisqu'on avait vu que la FIFA avait sorti une étude par rapport aux têtes des jeunes joueurs et par rapport à la densité des ballons. Est-ce qu'on irait vers là pour la sécurité, entre autres? Je pense que c'est un peu l'objectif un peu de Xavier, un peu de réfléchir un peu sur l'analyse et du test de ce ballon-là. Après, je pense qu'il faut toujours que ce soit de nouveau, ça puisse s'intégrer dans les clubs et que ce soit abordable pour les clubs. Je pense qu'il faut d'abord étudier, comme l'a fait Decathlon, étudier un peu la faisabilité de ce produit-là et de voir un peu si ça peut être accessible dans les clubs. Moi, effectivement, je pense que c'est une évolution possible. Je pense que effectivement. Ouais. Voilà. Quel est c'est peut-être une question anodine, mais quelle est la plus-value d'utilisation du matériel d'entraînement pour les séances, pour les exercices? Je ne sais pas si tu as entendu la question, Jean-Louis. Ou Salim, n'importe, mais quelle est la plus-value d'utiliser du matériel pour l'entraînement? L'expert, c'est Jean-Louis. Donc, les joueurs. Comment? Je dis l'expert, c'est Jean-Louis, donc je pense que je vais répondre. C'est pas moi. Mais d'abord, il faut voir un peu le matériel. C'est une plus-value à la fois pour le joueur. C'est aussi peut-être, ça permet aussi à l'éducateur ou à l'entraîneur de pouvoir varier ses exercices ou proposer d'autres variantes dans ses exercices. Ça permet aussi à corriger certains gestes. On sait par exemple que si on travaille sur un geste technique, on va pas forcément travailler sur le geste en lui-même, mais on va essayer de déterminer par du matériel, et bien peut-être avec une cible, et bien forcément ça va permettre à travers l'outil qu'on va utiliser, le matériel qu'on va mettre en place, va permettre aux joueurs de se corriger par le matériel qu'on va mettre à disposition. Donc effectivement, je pense que ça peut servir. Voilà, et puis les enfants, les couleurs, un peu l'aspect un peu ludique. Je pense que c'est aussi un peu un attrait pour le joueur. Je pense que les enfants aiment bien des couleurs, aiment bien un peu des choses un peu. Donc ça peut vraiment être un plus effectivement. Maintenant, dans le jargon du foot, on dit il faut pas non plus que ce soit une piste d'avion et qu'il y ait du matériel partout. Donc le problème, c'est de pouvoir gérer le matériel de manière efficace. Alors souvent, nous, on dit effectivement, une fois qu'on place le matériel, et en cours de la séance, c'est plus facile de le retirer que de nouveau réinstaller du matériel. Donc, ça demande aussi une certaine organisation, une certaine préparation à l'avance. Mais effectivement, il faut pouvoir bien l'utiliser. Mais c'est une plus-value, effectivement. Mais c'est vrai que rien que sur, tu viens de parler de modifier l'exercice, c'est vrai qu'il y a rien que sur le séparateur, ça nous évite en deux temps, trois mouvements, de reconfigurer la taille du terrain plus petite ou plus grande que d'enlever 30 coupelles. Quand tout le monde l'a fait, on a mis les coupelles et puis après on voit que c'était un peu trop grand, trop petit. Bon, il faut changer toutes les coupelles. Donc ça, c'est vrai qu'au niveau de l'innovation, ça c'est pas mal. Et c'est vrai que, comme dit Nadir, comme tu l'as dit, je vois encore souvent des pistes d'atterrissage. Alors c'est vrai que c'est beau à l'entraînement, hein, mais bon, voilà. Après, c'est comme la signalisation routière. Trop de signalisation tue la signalisation. Voilà. Donc, je pense qu'au niveau du matériel, il faut le voir, faut voir ainsi. Je regarde s'il y a encore d'autres. Donc, on a parlé des ballons, tout le matériel. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez encore préciser, Salim, Milan, par rapport au matériel? Peut-être préciser que grâce au partenariat et aussi que Decathlon aussi avec la CFF, tous les membres de la CFF, mais aussi les membres de la CFF, bénéficient d'une réduction de 10% sur tout le matériel Kipsta. Voilà.
Tout à fait, oui, tout à fait. Donc, très, très simplement, donc, je pense que vous l'avez déjà expliqué ou mis dans plusieurs newsletters. Donc, c'était une carte hein, que vous présentez en magasin. Il peut arriver que la personne en caisse ne soit pas au courant ou quelque chose comme ça de ce partenariat. Ça peut arriver. On a des étudiants, on a des équipes qui changent. Donc, excusez-nous si ça arrive. Mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à peut-être demander à un vendeur du rayon de nouveau sport collectif, football. Normalement, ils sont bien au courant. C'est quelque chose maintenant qu'on a mis en place il y a presque 2 ans, je pense, oui. Déjà. Donc, voilà, normalement, maintenant, ça se sait, mais ça peut arriver encore qu'il y ait des personnes qui ne soient pas au courant. Et si malheureusement, personne n'est au courant, n'hésitez pas à en parler à Rudy ou à me contacter également et on fera le nécessaire pour que vous puissiez profiter de ces 10%. Donc, voilà, à chaque donc, fois, voilà. Les deux, voilà, à chaque fois, les deux, trois petits couacs se sont réglés. Voilà. Je pense, en effet. Tout à fait. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des cours, des choses à préciser ou pas. Non, je voulais juste remercier Milan et le féliciter parce que c'est un stagiaire qui a débuté il y a quelques mois chez nous et donc je suis plutôt fier de ce que tu as fait, bravo et merci pour la présentation, c'est top et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Mais voilà, bravo et good job. Merci. Oui, non, tout à fait. C'est jamais un exercice facile quand c'est une facile première fois comme ça, en live fait. En plus. Hein, quand on enregistre une vidéo, on peut corriger et autres. Je pense qu'ici, voilà, c'est une belle expérience aussi. Voilà. Voilà, alors pour 11h20, pour terminer cette émission, Jean-Louis, on peut peut-être parler des futures formations continues parce qu'il y a beaucoup de questions à ce niveau-là. Donc, je le répète et je le répète souvent, donc il y avait déjà des formations qui avaient été prévues normalement janvier-février, notamment analyse vidéo, détection de talent. Mais vu l'arrêt des championnats, des compétitions, il y avait une moitié en distanciel et présentiel. Et effectivement, on n'a pas su les organiser, mais voilà, ils sont postposés, ce n'est pas perdu. Et donc, il a fallu s'adapter et remettre d'autres formations continues sur pied. Et bon, ça se fait par 2-3 mouvements. Donc voilà, et qu'est-ce qu'on peut dire comme information, Jean-Louis, par rapport à ça? D'abord, je pense que tu as raison de le préciser. Je pense qu'on l'a encore vu hier, en fait. Il y a une semaine, on ne savait pas où on a annoncé une troisième vague. Maintenant, on n'annonce plus de troisième vague. On annonce qu'on pourra ouvrir des stages à partir de Pâques. Peut-être que dans une semaine, on va nous dire autre chose. Voilà, donc je pense que nous, la priorité au niveau de la formation des cadres, c'est de terminer tout ce qui est en cours de formation. Donc, il y a plein de formations qui sont en cours. Malheureusement, avec les reports, avec le Covid, on doit terminer tout ce qui est en cours. Donc, on a décidé au niveau des formations de base de ne rien entamer. Par contre, au niveau des formations continues, effectivement, comme tu l'as signalé, Rudy, on avait planifié des formations. Malheureusement, ces formations demandaient du présentiel et demandaient aussi l'accord des participations. On avait un cours sur la détection du talent où il fallait voir des matchs, mais comme il n'y a pas de match, il n'y a pas d'activité, il est difficile de pouvoir organiser de manière efficace le cours. Donc, on a décidé de le reporter, toutes les formations à partir de août. Alors, ce qu'on envisage au mois de mars, c'est d'organiser un webinaire le 29 mars, je pense, avec Rudy. Je pense que Rudy aura l'occasion de le signaler. Alors, ce webinaire sera donné par Chris Van der Hag pour un peu repréciser un peu la vision. Derrière ça, on va rédiger un magazine vestiaire comme on a fait chaque année, enfin comme on a, ce sera le deuxième magazine en format papier qu'on remettra dans le cadre de journée de l'entraîneur qu'on va organiser en juin et en août, là de manière physique. Donc là, théoriquement, vos sécu vont recevoir, à mon avis, cette semaine ou dans les 15 jours, une possibilité d'organiser au sein de votre club une journée de l'entraîneur. Alors bon, il y a un cahier des charges qu'on a voulu, mais on veut organiser une journée de l'entraîneur qui remplace en quelque sorte le colloque du mois de mars, mais on va organiser 5 ou 6 journées de l'entraîneur dans les différentes provinces. Et durant ces journées de l'entraîneur, eh bien, on va à la fois cibler les UFAB, les UFA, mais aussi les UFAC, les non-diplômés. Donc, ce seront des journées de l'entraîneur qui vont s'organiser en juin et en août. Voilà. Et alors, vous allez recevoir aussi très, très prochainement, via vos correspondants qualifiés, la possibilité de postuler pour organiser un centre de cours UFAC où on va… l'année dernière, on était sur 25 centres UFAC en formule vacances. Moi, je pense qu'on va, devoir encore augmenter le nombre pour pouvoir offrir un maximum de possibilités au club de pouvoir organiser une formation UFAC. Donc, voilà, j'ai envie de dire que tout doucement, on revient
à l'heure normale, ça prendra encore un peu de temps parce que bon, on a quand même, on vient d'une année un peu compliquée, mais bon, je pense que ça, on espère pouvoir revenir d'ici avril, mai, dans une situation plus ou moins normale. Voilà. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc réservez déjà cette date, donc le 29 mars 2021 en soirée, donc un grand webinaire qui remplace notre colloque annuel. Et donc derrière ça, donc via cette thématique qui sera abordée, ben, il y aura le côté l'application pratique sur terrain et pouvoir se revoir tous en présentiel. Donc voilà, réservez déjà cette date. Alors, et c'est vrai, comme dit Jean-Louis, il y a beaucoup de changements, donc c'est pas parce que vous ne voyez pas de communication que rien n'est fait derrière, hein, parce que parfois je sens qu'il y a quand même voilà, un énervement quand même. Bon, la période est quand même longue maintenant, on va arriver quasi à un an après ce premier confinement le 13 mars, qui a commencé le 13 mars, rappelez-vous, donc ça c'est dans quelques jours, donc je peux comprendre qu'on est tous un peu sur les dents et autres, déjà voilà, physiquement, émotionnellement, mais aussi peut-être pour le manque de foot et aussi peut-être le manque aussi de formation continue au niveau des points de licence. Donc n'hésitez pas, et il y aura d'autres choses qui vont apparaître, qui vont être finalisées, voilà, qui seront peut-être des bonnes nouvelles. Ouais, Jean-Louis. Peut-être, tu fais bien de le signaler, Rudy, dans le cadre de les gens qui terminent, qui ont leur licence, qui arrive en fin juin 2020, elle sera automatiquement prolongée d'un an. Donc, c'est vrai qu'en raison du Covid, certains entraîneurs dont la licence arrive à terme en juin 2020 n'ont pas l'occasion de pouvoir suivre une formation pour renouveler leur licence. Automatiquement, les gens qui ont une fin de validité, un diplôme qui se termine, ou une licence qui se termine en juin, automatiquement, elle sera reportée d'un an, et dorénavant, les licences arrivant à terme au 31 décembre et puis au 30 juin. Donc, ce sera le 30 décembre 2021. Donc voilà, ça donne un peu plus de liberté aux gens et de temps aux personnes pour se mettre en ordre. Donc voilà, ça c'est vraiment un scoop et une bonne nouvelle par rapport à ça. Voilà, ça ne vous dispense pas de suivre les formations continues en disant, ben ça va, j'ai encore un an de bon, puisque l'année prochaine, après, même si on a cet un an et demi de prolongation, voilà, je pense qu'on organise assez d'activités, même depuis 2-3 ans, pour pouvoir renouveler sa licence dans des bonnes conditions. Donc voilà, donc Jean-Louis l'a dit, prolongation de la licence pour ceux qui se terminent en juin 2020, avec une prolongation jusqu'au 31 décembre 2022. Voilà, donc je pense que même si vous étiez en problème de points, si vous n'aviez que 2 ou 3 points, je pense que sur l'année et demie, vous pourrez les rattraper. Mais bon, voilà, faites ça de manière continue. N'attendez pas toujours la dernière année ou les derniers 6 mois pour venir frapper à la porte de la CEF en disant « il faut faire des formations, je n'ai que 2 points ». Voilà, donc ça, c'est une très bonne nouvelle par rapport à ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres annonces, Jean-Louis ? Je n'en vois plus comme ça. Donc voilà, donc 29 mars, je le rappelle, 29 mars, notre webinaire avec points de licence, ainsi que toutes les journées d'entraîneurs qui vont suivre à partir du mois de juin. Et comme l'a dit Jean-Louis, tous les CQ vont recevoir un mail pour voir s'il y a des clubs qui sont candidats à l'organisation de ces journées de l'entraîneur. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Merci Milan, merci Salim, merci Jean-Louis pour ce temps, ce matin, cette réflexion sur le matériel, sur la fonctionnalité et toutes les innovations. Ben voilà, il n'y a plus qu'à cogiter sur commencer à repréparer des entraînements, puisque bon, tout va pouvoir normalement reprendre à la normale entre guillemets après les vacances de Pâques. Voilà. Restez en ligne. Je vais saluer nos amis. Donc, à la semaine prochaine, vous découvrirez à la semaine la prochaine thématique de cette émission CEF TV. Et c'est vrai qu'on arrive déjà l'année prochaine, on sera le 13 mars, donc un an après le début du confinement. Voilà, ça fait déjà quand même 43 émissions de CEF TV. Donc, on verra après comment on va poursuivre cette émission quand toutes les activités vont reprendre. Et c'est ça le plus important. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et un agréable week-end à tous. Bye bye. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.